なんだ、この木は。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。Bon, j'ai Gohanagi 100%, alors bon, je vais vite fait la histoire 2. Ah ouais, ça j'ai pas vu, dans ce lead on peut les jouer à 200 tous les deux, Gohantec et Gohanagi, avec Bigaté. Bon, après c'est 30, dans tous les cas 30, bon alors après les additionnels, hein, c'est très très variable, hein, ça dépend des PV, de la chance. Ouais, bon allez, on va en compter 2. Eh, quasiment 2 millions de gardes. Bah écoutez, ouais c'est pas mal. Bon après là il est, ouais, en même temps oui, forcément avec lui. Quadruple. Ah non. Ah oui. Triplette. Ça c'est mon goat, ça. Ah. Ça c'est mon goat. Vas-y, spé le duo, vas-y, spé, allez, vas-y. Oh là là, mais... Voilà, bouge ton cul, là, vas-y. Bon, d'un côté, ça aurait été mieux que tu spé l'autre, mais dans tous les cas, de toute façon... Oui, nul. Combien? Ah oui. Bon, après, là, il a la totale, mais... Pas mal, pas mal. Le crit? Ah... Alors les additionnels par contre, hein, vu que c'est chance moyenne, hein, tu connais, hein, c'est comme Gogeta. Bon. C'est assez capricieux quoi. Ils ont vraiment été radins sur ça. Hein. Ça aurait tellement mérité grande chance. Sachant que ça dépend aussi des PV derrière. Gohan Beast. Mais non. Fin de partie. J'ai perdu. Ah merde. Ah non. Le problème c'est que là l'autre il va tout voler quoi. Tu vois. Oh j'ai la spé jointe. Non. Mais Gohantec va kill. Ne fais pas ça. Non, allez, crit pas, crit pas, crit pas, crit pas, crit pas, crit pas. Crit pas, frérot, tranquille. Laisse, laisse une bouchée, Putain, merde. Bien. Oui, si tu veux, mais... Ouais, est-ce que ça m'arrangerait pas de pas le tuer en vérité? Enfin ouais, si, ça m'arrangerait, mais... Hey Gotenks, sois une grosse merde! Par contre, esquive parce que... Ouais. Ah non. Ah non, parce qu'il y a la commission de PV. Ouf. Oui, mais... Oui. Oui. Ouais. Attends, attends, frérot, arrête, arrête, arrête. Attends. Attends, 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 attends. Attends un peu, là. Bon, Gohanagi, s'il te plaît,
Fais des spé, mais fais pas trop de crit. Ah oui. Ah oui. 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 Pas mal. Pas mal, mais bon, le GOAT, il a le crit garanti à côté. Hein. Ah mais vas-y, fais des spé, frérot. Mais ça, c'est terrible, par contre, hein, vraiment. Ah mais ils ont abusé, chance moyenne, attends. En plus, c'est une condition de PV, quoi. Enfin, non. Ah frérot, pour faire une spé additionnelle, c'est un miracle, presque, là. Bon, alors, est-ce qu'on va réussir à pas tuer au prochain tour? Ouais, je sais pas. Alors si, en vrai, si Migaté tape pas, on fait stand-by de l'autre. Ah non, attends, il y a Beast. Ah non, on a viré Migaté. Attends, il y a Beast. Bon, Beast fait pas trop de dégâts, en vrai, ça va. Ouais, non, ça devrait le faire, on devrait pas tuer. Hein. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, par contre. Bon, après on est tech, on a attaqué. C'est pas si nul que ça, Migaté. Ah oui, bah. Oh oui, mais oui. C'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que vous croyez. Oui, mais attendez. Je rappelle qu'on a stacké deux tours, hein. Je dis ça, je dis rien, mais enfin deux apparitions. Peut-être 3 en fait, non 3 peut-être. Ah j'ai vu. Ah j'ai vu 3. 2. Guanaji, effectivement, quand même, le tour de la S, 2 millions, mais après, pareil, il faut rajouter l'effet SP. Donc, en vrai, bah, bon, si on met une seule additionnelle, on va dire, parce que là, on n'a même pas les. En fonction des PV, mais bon. Bon. En gros, plus de 3 millions, quoi. Plus de 3 millions, garde, quoi. Bon, malheureusement, je pense pas que Guanaji aura le temps d'attaquer. C'est terrible, mais. Ouais. Ouais, s'il crit pas, peut-être que. Oh là 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 là, mais. Oh là 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 là, mais que demander de plus? Que demander de plus? Mais rien. Ouh. Magnifique. Ah ouais ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On peut faire ça. Ça. Après, si c'est le trio, on va pas tanker. Hein. Parce que là, le trio avec 0 stack et tout, non. Hein. Ah oui, Jokis, bah il faudra demander au scénariste, mais. Ouais. Non, frérot, pas le trio! Le trio sans doublon, frérot. Oh putain, ça fait encore toucher, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, mais c'est ce que Guanaji encaisse. Bah... Ça va être chaud, hein. Avec le boost et tout, Surtout s'il fait que des autos. Vas-y, proc l'arbre.
frérot, t'abuses. Est-ce que vous croyez en Migaté? C'est ça le truc en fait. Est-ce que vous croyez en Migaté? C'est ça le problème. Je suis pas certain. Hein. Enfin, le problème, je dis ça, mais Gotenks. Gaté! C'est bien, mon garçon. Bon, Gotenks, ne gâche pas cette chance, s'il te plaît. Celle de Namek, elles sont en pierre. Alors, c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que quand ils ont fait le dernier vœu pour rendre le ki à Goku, bah ça fait plus de 6 mois, en fait. Bah ça fait... Bah, parce que là, le truc se passe globalement... un an à peu près après l'arc-bou. Donc Polunga peut faire... bah non, c'est bon. Polunga peut très bien faire... non, c'est bon, ça c'est rechargé en fait. C'est rechargé. Ah non, non, c'est rechargé. Hein. Migaté, ouais, il donne du ki, mais pas assez, quoi. J'aurais pas l'avantage, quoi. Ah, mais Beast... Soit Beast, quand je vais récupérer des doublons, je vais encore pouvoir me rappeler à quel point c'est n'importe quoi. Là, le truc a pas de doublons, mais... Bah, intéressant, voyons ce qu'il prend là. Arrêtez de poser la question. Je rappelle que là, le boss est boosté, hein, parce qu'on a tapé avec un perso puits. Hein. Hein, tout ça, hein. Des buffs de def. Ah oui, d'ailleurs, cerise sur le gâteau, hein, j'ai oublié de préciser, il est pallide à 200. Voilà. Ah oui, il proc pas ses liens, non. Bon, après, il y a le truc qui supporte, mais bon... Face à tout ce qu'il a pas... Formalité. Ah oui, mais là il les a pu, mais oui. Ah ouais, avec il tankait. Avec il tankait sans problème, mais... Ah non, mais c'est... Bon, c'est dommage, mais après, comme je l'ai dit... Oh! Ok! Bah là, du coup, le debuff va être pris sur l'effet spé, donc non, c'est carré, c'est bon. Ouais, si tu pouvais faire, voilà, juste une petite additionnelle, comme ça, le debuff est entièrement pris là-dessus, c'est parfait. Bien, mon garçon, c'est bien. C'est bien, mon garçon. Ouais, t'as le droit d'en faire plus, c'est bien, c'est... Mais oui. Ah ouais, mine de rien, même en early, en faisant la S, on récupère un sacré boost de def, hein, quand même. Hein. Ah bah, j'aurais mis XP, hein, on aurait tanké sans problème, du coup, mais... On aurait pris trois fois rien. Ah ouais, on aurait pris que dalle, on aurait pris quoi, hein. Ok, vu qu'on l'a plus tapé. Si, ouais, bon, ça serait équilibré, mais... On aurait tanké, quoi. Au final, on va même pas le tuer, parce que Gwentek a pas son boost d'attaque. À moins que Bigaté... ouais, non.
Oh là, en but, mais la quadruple. Il met la quadruple. Franchement, Jokiz, non. Ça aurait pas été trop. Ça aurait été vachement bien, en vérité. Ça aurait été vachement bien. Ah, mais Gâté. Nul. Fatigué, j'en ai marre. C'est Gotenks qui va aller faire le kill, quoi. Putain. Enfin, vaudrait mieux, parce que sinon... Ok, d'accord. Alors là, en théorie, justement, la différence du coup, c'est que bah là, comme gun stack, bah vu que le debuff est pris sur le stack, bah on ça passe, ça passe. Bah, il a spé, non, en vrai, je pense qu'il non, il a spé trop tardivement, non, c'était mort avec le cooldown de 7. Je trompe merde. Écoutez, voilà, pour, sachant que la rota, vraiment, c'est, fin, ces persos-là sont vraiment leur point faible, c'est les débuts de partie explosifs, hein, donc on va dire que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors là, vraiment, la rota à fond, elle est vraiment vraiment très très solide, hein, puis ça met des bons dégâts aussi. Enfin, franchement, c'est top, hein, c'est top. C'est vraiment très très cool, hein. Très très sympa. Finalement, une autre team, on peut les jouer à 200 ensemble. Ou on pourrait jouer à 200 tous les trois, là. Les trois ensemble, hein. À 200, parce que là, c'était pas à 200, mais enfin... Vous avez vu que c'est pas un problème, en vérité, hein, de toute façon, mais... Mais bon, après, ce qui est intéressant, en plus, ouais, c'est comme on l'a vu là, c'est que Gonagy peut taper son AS assez vite, quand même, et son AS lui permet de quand même prendre un boost de def assez dingo pour un début de partie. Et du coup, ça le rend capable de tanker pas mal de choses en first slot, si besoin, même si, bon, pas forcément, mais... c'est pas mal, c'est pas mal. Non, avec Guanaji, le principal regret, c'est vraiment ses additionnels chance moyenne qui sont liés au PV du boss. C'est abusé, quoi, parce que du coup, il en fait pas beaucoup. Et après, bah, s'il n'y a pas les PV demandés, bah, il en fait pas du tout. Mais genre, voilà, il n'y a même pas de chance de le faire, quoi. Ça, ils ont été vraiment radins là-dessus. Mais bon.